tes parents, Yann? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, les heurogéniteurs de notre pilote. Voilà. La Flatistim, c'est aussi le vélo. Ça s'est pas trop mal passé. Disons Tour de France, 2015. On s'attendait à faire à peu près ça, donc... Allez, encore c'est maquillage, c'est bon? Donc François, team manager, chef mécanicien, deuxième année avec le Flatistim, si j'ai bien compris. Oui. C'est quoi ce pourquoi le Flatistim? Pourquoi tu participes? Mais je crois que tu es quand même dans le milieu de la course, toi, depuis très longtemps. Effectivement, je suis dans le milieu de la moto ancienne compétition depuis pas mal d'années. Et au fil des années, je me suis associé avec l'ISAT, la BMW numéro 58. Et lors de la victoire de cette moto au bol classique en 2012, je me suis dit, en lisant les pages du Flatistan, qu'on avait toutes les ressources nécessaires afin d'organiser un team, une moto, des pilotes, et de mutualiser ces ressources afin de s'aligner, chose qui a été faite en 2013 avec le succès que l'on sait. J'ai dû remplacer Gaston au pied levé et céder mon poste de chef mécano à une équipe bien rodée. L'équipe est huilée, rodée, on a l'expérience de 2013. Mon travail se limite à presque rien, mais vraiment presque rien. Donc tout est bien dans le meilleur des mondes. La première manche n'a pas été trop décevante, d'après ce que j'ai vu. Tout à l'heure, la deuxième manche, alors, le soleil sur Magny-Cours, la moto qui a l'air de bien fonctionner. Tu as un pronostic? Oui, alors déjà, la grande surprise, c'est d'avoir un classement aussi haut, c'est-à-dire 9e au bout de la première manche et 2e de la catégorie derrière une Kawasaki 4 cylindres en 980 cm3. Mon pronostic, je n'en ai absolument pas. Nos pilotes vont donner le meilleur d'eux-mêmes. L'équipe va se battre pour faire un ravitaillement encore plus rapide que celui d'hier. 1 minute 15 hier, on va pouvoir grappiller quelques secondes. Et quelle que soit la place, ce sera encore un bonheur d'avoir travaillé, enfin, travailler, c'est un grand mot, d'avoir œuvré toute une équipe pour faire avancer une moto, deux pilotes, et le plaisir est immense, car le Flatistim, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Expliquez-moi pourquoi vous êtes ici, des supporters du Flatistim. Parce qu'elle a une pensée sexuelle toutes les 7 secondes. Et le reste du temps, j'ai la moto. On rencontre des gens un peu fréquentables. Ah, mais c'est peut-être parce que j'aime bien rencontrer des gens plus fréquentables, alors. D'accord, donc ça serait de la perversité, là, non, mais le soutien du Flatistim. Dans la terre. Mais non, mais c'est vrai que je trouve ça extraordinaire quand même. Est-ce que tu rêvais, est-ce que tu admirais les coureurs Agostini, etc. quand tu étais petit? Non, pas plus que ça. Mais non, pas plus que ça. Et en plus, désolé, non, pas vraiment. En fin de compte, c'est le Flatistan qui a voulu organiser ça. Et avec des compétences un peu diverses, je trouve ça extraordinaire de pouvoir participer.
déjà l'année dernière de l'avoir vu, c'est là. J'aurais jamais pensé être prise par la course comme ça alors que l'on était face à un écran. Et donc là cette année ça m'a donné vraiment envie de venir voir en vrai. Je suis vraiment pas déçue pour l'ambiance et tout. C'est génial. Et t'as un pronostic pour la deuxième manche? Eh bien, il faudrait qu'ils gardent leur place, voire qu'ils augmentent en général. Et puis bien sûr qu'ils gagnent dans la catégorie comme l'année dernière. Oui. J'avais trop un truc à dire, tu vois. Bah déjà pour la convivialité, j'avais l'intention, étant nouveau sur le Flatistan, de mettre un visage sur les noms, sur les pseudos et sur les avatars. Voilà, et ne pas faire partie du Flatistan, être sur le forum que pour en profiter. Et être pour présent. La course, j'ai déjà dans les années 80, j'avais pas mal de copains qui faisaient de la course de côte. Donc voilà, je connais Gérard Jolivet, j'ai des copains qui font dans ce sens. Voilà, donc la moto. L'année dernière, j'ai quand même suivi une course qui était sur les panneaux de chrono. Première fois qu'on faisait un truc comme ça, donc j'ai trouvé ça plutôt passionnant. Du coup, venir cette année rencontrer tous ces soifards et c'était sympa, rencontrer l'équipe c'était sympa, donc voilà. Content d'être venu. Une fois le ravitaillement terminé, on ne veut plus te voir. Au lieu de contourner la moto et de retourner au box, tu vas voir mon chemin. Je me bats. Oui, oui. 24, on y va. Allez, va. Allez, pour gagner. On va ressembler à Fort Boyard. En train de graisser la piste comme l'an dernier. T'es jaloux? Non, alors là c'est content. Plus il graisse, plus les 4 cylindres vont cirer, c'est nickel. De la fausse pluie, quoi. Voilà, c'est une façon de détourner, d'avoir la pluie.
toi de l'impact de la nourriture sur le temps autour. Merde. Faut qu'il digère un peu là parce qu'ils sont lourds là. Non, normalement Luc m'a dit qu'il allait faire son caca avant de partir. Donc ça sera bon. Je me recule, je l'arrêté idéal à 27e tour de course. Quand il aura passé à 25 tours, vous passez boxe 2, à 26 tours, boxe 1, et il faut qu'il rentre à 27 tours.
Thank you.
7 minutes pour pouvoir rester avec le moto devant. Bon anniversaire! Tout fait, ouais.
2014. Et à la vôtre à tous. Ça s'est bien passé. Quelle équipe? Quelle équipe? Le club. Il faut le faire aussi. Des pistons meilleurs, des soupapes meilleures, des culasses meilleures, au bout, tu mets 15 000 euros de plus. Hein. Alors, il y a un problème. Et après, il nous dit il met sa chaise là, au bout de la table. Service en bourse, nous, monsieur, on travaille, on joue à la caméra. Mais je veux pas roucouler là-bas. Si je roucoule là-bas, je marche. Mais non, là, sous la lumière. Sous la lumière. Coucou caméra. Tu sais que pendant ce temps-là, il y en a un qui est en train de crever de soif là-bas. Regarde, il a les oreilles qui fanent. Il est péri à bout d'œil, il a crépine sur le sable. Que pensez-vous du service dans ce restaurant? C'est magnifique. Il est mignon, non? Un petit peu lent à la faveur, mais magnifique. On avait dit 20h, il est 21h. Bon, bah, on a toujours pas d'assiette. Hein. Non mais c'est capable de rien. C'est vrai parce que ça donne une image sexy qui est attistant quoi. Et voilà. J'ai appris un truc. J'ai fait que c'est là. Franchement si c'était pas à travers ce... J'ai un métier, moi, madame. Bon, le chili reste au pain. Je savais pas que tu faisais la pub pour du bonnet. Il va retraite avec nous. On le reverra dans d'autres occasions. C'est pour le gros zim. C'est mon gros zim. Manu. 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 File. File. On commence, on la refait. Manu. File. Vous êtes avec nous. Ça, tu vas remonter. Tu vas voir. Ça va pas bien. Rosie, j'ai un nouveau bac à douche. Rosie, le bac à douche. Non, reste dessus. Il tourne. Il tourne. La pomme de douche, elle est... C'est l'autre star de l'édition 2014.
peut-être pas gagné le bol d'or comme certains vos frères qui se sont moqués de moi. Tu peux traduire? Traduis, Flatouille. Là, ça va venir compliqué pour nos amis hollandais. Ah, là, oui. Non, mais moi, Flatouille va traduire. Ouais, ouais. J'ai une écuelle d'or. J'ai un bol, mais une écuelle d'or. Et je vous en remercie mille fois, parce qu'elle sera en bonne place dans ma vitrine. Merci, mes amis. Merci à François. Sachez que je vous apprécie comme vous êtes tous, avec nos différences, nos complémentarités qui ont fait qu'on obtienne ces résultats. Ah, oui. Et je vous aime, et vous ne pouvez pas faire. Voilà. Vous aussi, François, vous aussi. C'est pas fini. Aussi le côté droit, aussi le côté gauche. Le plus dur, c'était l'an dernier, quand Gaston était aux manettes. On ne se connaissait pas, ou si peu. Et il a fallu, ce qu'on faisait dans la décontraction lors des roulages, des dérogations et la bonne humeur, sauf pour nos deux malheureux cobayes, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils foutaient sur cette saloperie de on a rodé toute l'équipe. Ce qui fait qu'on a fait un bol d'or 2014 extraordinairement cool. Ah, oui. Chaque chose s'est faite dans la bonne humeur, la décontraction, la joie. Il y avait de l'huile dans les rouages, ouais, dans la paella. L'olive. Et sur la roue arrière et éventuellement sur la boîte. Et sur la piste aussi, Adélaïde. Honnêtement, soyons modestes, on était parfaits. Nous étions parfaits. Nous étions. C'est pas grave. Nous étions. Vous parlez de Gaston, j'ai eu tout ça au téléphone, bien entendu, il vous embrasse. Bien sûr, Gaston, il est malheureux de ne pas être avec nous. On le reverra dans d'autres occasions. C'est pour le gros Zim. C'est mon coucou au gros Zim. Mais sachez quand même que cette communauté de gens de bien qui se rassemblent et qui ont attendu un an pour vivre ces moments-là, Gaston en fait partie, et la santé en a décidé autrement. Alors on a bien sûr une pensée pour lui, ça va aller mieux, et puis et on l'embrasse de tout cœur comme il nous embrasse. Et je vous assure que cette expérience-là, c'est peut-être unique dans le monde du virtuel. Voilà, c'est peut-être unique dans le monde du virtuel. Et en plus, c'est une expérience unique internationale, puisque nous avons nos amis hollandais. Quand madame m'a montré la soupape de Moto Guzzi qu'elle avait trouvée, sans pied à coulisses, parce que vous avez le quartier maître, elle est longue la soupape. Luc est arrivé avec la bonne soupape, avec le démon de soupape. Bravo mes amis. Rectum versum. Génial. Le champagne. Alors voilà. On ne peut pas oublier Manu qui vient de partir avec Daniel. Manu. D'équipe, c'est tout. Rendez-vous toute l'année pour venir avec nous. Lors du briefing des pilotes, j'ai été voir monsieur Jacques Lemaire. Je lui ai dit comment se fait-il que nous avons été déclassés un lundi matin en catimini. Il m'a dit j'étais président de jury. Je dis oui, je le sais, comme cette année. Il m'a dit mais je n'ai déclassé personne. Si déclassement il y a eu, allez voir les éditions de la Rivière, allez voir Marion, je ne sais plus comment.
Ouais, ça... J'ai été voir Marion qui m'a dit très bien. On a déclassé personne. On a déclassé personne. Donc j'ai utilisé mon nouveau rôle pour aller avec l'accord de Gaston téléphonique pour aller voir le président du circuit du machin, le directeur de course et le directeur général des éditions La Rivière pour leur dire mais comment ça se fait qu'on a été déclassé l'an dernier en catimini sans aucune signature d'un jury. Ces messieurs m'ont dit on va rouvrir les dossiers. Si vous devez être réhabilité à votre place, vous le serez, y compris dans la presse. Parce que j'ai quand même dit qu'on avait fait. Oui, bien sûr. Voilà. Nous étions quatrième. Les sponsors potentiels, en plus. C'est pas n'importe lesquels. Ouais. Dans la presse des éditions La Rivière. Le plateau, il traduit parce qu'il s'est appartenant au. Merci, François. Merci. Voilà. Non, t'as vu Rosine, qu'est-ce qu'il faut avec ça c'est l'autre star de l'édition 2014. Sérieusement, oui. Le Paul Ricard, je suis soucieux aussi. Donc on va rentrer chez nous, mettre nos photos, nos récits sur le Flatistan dans la taverne à droite à gauche. Et on verra. Et après, quid de 2015. Alors, il ne faut pas casser une telle machine. Vas-y Johan, prends la suite, je m'assois. On en parle, on est bien d'accord avec Gaël et Luc. Vous savez ce que je vais dire. Du moment que ça envoie du jour. Et tout est ouvert. Je peux en parler entre nous parce que là, il y a les membres fondateurs, il y a les gens avec qui ça a fonctionné cette année. Et il y a des gens qui seront peut-être prêts à se déplacer et à jouer le jeu, et en tout cas capables d'assurer sur un circuit. Que ce soit en cuisine, que ce soit en intendance, en mécanique, on s'en fout. En tout cas, des gens fidèles, capables de travailler ensemble. La chose est que l'année prochaine, le bol d'or classique se courra au Castellet en même temps que le bol d'or moderne. Ça va rendre les choses très compliquées, parce que le bol d'or moderne va prendre toute la place, on va être relégué en fond de paddock. Très compliqué pour le classique, hein, pas pour le moderne. Oui, pas pour le moderne, on est d'accord, mais nous on vise le classique quand même. À moins qu'Alfred veuille faire le moderne sur un R1, si tu veux le faire, on te sponsorise. Enfin, blague à part, pour ma part, c'est qu'un avis personnel, l'idée c'est d'en discuter, mais rapidement, pour savoir comment on se prépare au niveau des machines, au niveau intendance logistique, est-ce qu'on fait une aventure flatistime qui va aller plus loin? Mais pour moi, le bol d'or classique, ça va être très compliqué à mon sens. Ouais. Il existe des formules, pour ceux qui ne connaissent pas le VMA vitesse moto ancienne en France. Historiquement, c'est des courses de vitesse, mais depuis cette année, ils lancent des formules endurance. Il n'y en a eu qu'une cette année sur trois de prévues, je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. L'année prochaine, on a eu Alfred qui a rencontré un des officiels vite fait, qui lui disait qu'a priori il lâchait pas l'affaire et que l'année prochaine ils en prévoyaient 4. Il y a deux dessus. Il y en a déjà deux dessus. J'ai vu Evelyne Desbordes qui m'en a parlé. Il y en a deux signés. Evelyne Desbordes étant l'organisatrice du VMA et historique depuis des années. Oui, François, on parlera pas de lui. Dis la Thénardière. Dites son chien. Bref. Le fait est que ces courses-là se courent sur 2x2 heures, le même format. Non, 4 heures. 2x4 heures, 3 pilotes. 2x4 heures, mais 3 pilotes. 2 ou 3 à l'américaine avec 3 pilotes. On ne rentre pas dans le règlement, on ne rentre pas dans les détails. Je veux bien faire le troisième pilote. Moi, j'ai gagné les duels d'or. On prend note. Et puis 2,49, c'est pareil.